et que vous basez vos ressentis pour savoir où est-ce qu'on est. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il faut pas traîner. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut monter et regarder un aperçu du ciel. Thank you.
tourne. Donc ici, enregistreur de direct. Ici maintenant, un détecteur de mouvement. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ici on a mis deux planches. D'accord, une à côté de l'autre, ils sont là. Et ici, ils ont mis deux balles de ping-pong. On les voit pas. On les voit pas les balles de ping-pong ? Non. Ouais, c'est bon. Tu les vois ? Ouais. Ici, deux balles de ping-pong. Pareil. C'est bon ? C'est bon. Rien qui bouge, on est d'accord. C'est le dernier étage du sanatorium. On est sous la toiture, tout en haut. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon, ça roule. On s'en va tout à l'heure, mon biche. C'est bon, Pierre ? Ouais, ça tourne. Toi, ça tourne, Pierre ? Alors, je me présente, je m'appelle Sandy. Avec moi, il y a PM. Bonsoir. Il y a Eric. Bonsoir. Et Lolo. Bonsoir. Alors, on est de bonnes personnes. On n'est pas là pour vous effrayer. On est là pour avoir une petite manifestation. Il y a beaucoup de bruit, hein, je tenais à le dire. Il y a énormément de personnes qui sont ici. Il y a beaucoup de bruit. En espérant qu'ils ne vont pas vous faire fuir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est communiquer avec vous. Si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous le souhaitez. Alors, autour de nous, il y a plusieurs objets pour que... Vas-y, continue la présentation. Alors en fait, ici avec nous, on a plusieurs objets, plusieurs choses pour que vous puissiez vous manifester. Donc ici, il y a un boîtier avec une lumière verte. Servez-vous de tout ça. Déjà, essayez de nous montrer votre présence et ensuite on pourra essayer de discuter. Merci. Merci. Si c'est vous qui avez allumé cette lumière, on vous en remercie. Bon, bah, on va rester là. Merci.
soirée merdique. Bonjour à tous, c'est PM de l'équipe Esprit Entité. Je fais une petite vidéo parce que la route elle est longue avec les Lascar. T'as vu, après tu te dis que... Mais ça roule bien, c'est normal. On est parti pour l'investigation, on avait mis la photo précédemment sur le site. La fameuse photo où il y a un petit quelque chose. Et ben c'est aujourd'hui, on y va de bon cœur. Donc là on est même pas loin d'être arrivé. On se situe donc en région parisienne. Un peu avant la région parisienne. Ouais. Et donc je suis avec Eric. Bonjour à tous. Il y a Lolo, pardon, qui est au volant. Salut tout le monde. J'aime bien parce qu'on met toujours les femmes à volant. Et à Sandrine. Coucou. Qui est là, qui sert de copilote, mais on sait tous qu'une femme copilote, c'est compliqué. Bon, ça fait une heure qu'on tourne. Donc voilà, donc on se revoit tout à l'heure et puis avec une petite visite du lieu, si tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure, bisous. Un coucou tout le monde. Bon, changement de programme. On a été donc faire la reconnaissance sur le domaine qu'on avait montré la photo, qui s'avérait assez compliqué. Déjà par la taille du bâtiment. Ouais, c'était vraiment tout tout petit. Et puis au niveau ressenti, c'était... Néant. Ouais, néant. Ouais. C'était rien du tout. Donc là, depuis quelques heures maintenant, hein, on tourne. On a visité deux petites... entre guillemets, bar HLM, hein, de... Ouais, c'était sympa, mais... De bar d'immeubles, c'était vraiment sympa. Et du coup, ben, pour faire simple, on est de retour au sanatorium. Donc voilà, donc on va essayer de passer la nuit dans ces deux sanatoriums Nestor Pirotte. En espérant avoir beaucoup plus de chance que la première fois, parce que la première fois, ça avait été avorté au bout d'une heure d'enquête. Par la présence de jeunes. Ouais, on espère que... Donc aujourd'hui, on en a pas mal rencontré quand même. On a rencontré 2-3 groupes, mais on espère que ça va être calme. Donc voilà. Donc on se tient au jus, là, on a tout le matos, et puis on va aller se mettre en place, et puis on va essayer de gérer un peu tout ça. Ouais. Ça marche ? Très bien. Allez, à tout à l'heure. Je viens de me taper tous les étages à pied tout seul là pour vérifier qu'il n'y avait personne. Toi, tu fais quoi là? Tu prends l'air en terrasse. Je mets dans la boîte, enculé. Dans la boîte, je suis soufflé là. Il y a personne. Ah, tu vois là, croiser les doigts, tu vois que là, que ça reste comme ça toute la nuit. Là, tu l'as vu là-bas? Là-bas, tout en haut, à l'œil de bœuf, c'est la chambre 660. Mmh. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas, ouais, c'est là-bas que j'ai mis squat et c'est ça. C'est du petit Velux là-bas à droite que j'ai pris la photo de. Ah oui. Donc là-bas, à l'œil de bœuf. Ça n'a pas changé. Il y a un meuble en plus, tu vois, dans le couloir, sinon ça n'a pas changé, tu vois. C'est vraiment génial, tu vois. Ah, toujours aussi beau, hein. Il est magnifique. Il est plus beau quand c'est ensoleillé, mais bon. Donc si un artisan, je viens de racheter les lieux. Si un artisan veut bien passer pour faire un devis de menuiserie, ça serait cool. Donc vous avez compris? Donc non, une non, ici, une à la chanteur. Je signale aussi, je vais me faire niquer avec ma caméra qui va dans un coin de merde. C'est pas vrai? Tu vois, tu rigoles. Je vais me faire niquer. Tout fait, mais... Téléphone. Mode avion. Mode état. Même reste 1%, je vais finir. Bon. Je vois pas comment tu veux.
Ouais. À voir les lumières, non, mais. Et puis derrière, on voit là. On voit. Hop. Ouais, 20h15, début de l'enregistrement, caméra fixe, couloir de droite. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici, qui détériore votre endroit. Nous, on n'est pas là pour ça. De l'autre côté du couloir, pareil, il y a une caméra pour vous filmer. Un petit boîtier avec un bouton bleu, il suffit de l'effleurer, vous allez voir, c'est amusant, ça fait du bruit. Petite balle de ping-pong. N'hésitez pas. Manifestez-vous tant que vous pouvez. Mais surtout, on est venu en paix. Profitez tant qu'on est quatre. La dernière fois, il y a eu trop de monde. Ça nous a embêtés. On n'a pas pu converser avec vous. Donc, n'hésitez pas. Faites comme d'habitude, passez dans ce couloir, tu bouges l'eau ou pas? Non. Tu filmes derrière moi? N'ayez pas peur. Merci. N'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on est toujours ici en paix. D'accord ? Alors juste à côté de moi, il y a Eric. Bonjour. Allez-y, retouchez comme vous avez fait tout à l'heure. Vous avez vu comme c'était amusant ? N'ayez pas peur. Faites comme d'habitude. Il a sonné quand tu étais là. Ouais. Il a plus sonné. Ben ça fait tut. Mais non, je sens rien, le gars a déjà commencé. Comment? Je dis putain, t'as déjà commencé. Ah ouais, 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 j'attends pas. Thank you.
J'explique face caméra. En fait, là on était au premier étage du sanatorium. On va descendre, on va bouger un petit peu, puis on va aller tout ce qui est cuisine, salle de spectacle, en fait, qui est complètement à l'opposé entre les deux sanatoriums. Donc voilà, le temps qu'on ramasse tout. Et puis, allez, on y va. Est-ce que vous êtes présent avec nous ce soir dans cette salle de spectacle? Si oui, faites du bruit s'il vous plaît. Tapez dans les murs, allez-y. Donc si vous êtes avec nous...
Faites-moi un bruit, s'il vous plaît. Ou approchez-vous des petits boîtiers qui sont sur le. Sur la. La scène. Il y a un petit boîtier noir avec une antenne. Tout à l'heure, je pense que vous êtes approché pour voir. Pour voir ce que c'était. Par curiosité, vous avez décorché en touchant la petite boîte. Ça fait un son. Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît? Deux, ça nous ferait plaisir. De deux, ça vous fera plaisir. Parce qu'en même temps que vous touchez l'antenne, il y a des lumières qui vont s'allumer. Et juste à côté de ce boîtier noir, il y a un petit boîtier gris avec une lumière verte. Si vous prenez à pleine main, toutes les lumières vont s'allumer. Je pense que vous n'avez jamais vu ça. Ce serait peut-être l'occasion d'essayer pour voir. Essayez pour voir, s'il vous plaît. Ça ne peut pas vous faire de mal. On ne veut pas vous faire de mal. On vous respecte trop. On respecte cet établissement. Donc pour nous faire voir que vous êtes avec nous. Faites-nous un bruit dans la pièce où on est, s'il vous plaît. Il y a un fauteuil à côté de moi, si vous pouvez mettre un petit coup dedans. Essayez, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, c'est pas évident. Puisez dans les batteries si vous avez besoin de vous recharger. Après, si vous ne voulez pas, c'est pas la peine de vous forcer. Un petit quelque chose, pas grand chose. Je vous répète, nous sommes venus de loin. Nous sommes venus en paix avec de bonnes intentions. On ne vous fera pas de mal. On vous demandera de ne pas nous faire de mal. Pareil. Je pense que vous êtes avec nous, vous nous regardez. Et vous n'osez pas. Prends le sol.
Allez, vous couchez dans la cuisine. Vous mettez à côté des photos. Avec la vidéo. Sans caméra, sans rien. Je lance une discussion. Comme ça, je me sens. Parce que, bien. Comme ça, des fois je me sens. Comme ça, tu vois. Ça, des fois ça sent bon, des fois ça sent le mal. Je suis arrivé seul dans la cuisine. Je suis pas sûr de revenir. J'ai ma SB11. Dites à mon chat que je l'aime. Laissons laisser 5 minutes les tourner ici.
Hein? Il y a quelqu'un derrière moi? Non, ouais, non, ouais. Bah, on a collé ici. Bah ouais, tu m'en dis là. J'avais l'impression là-bas, au bout du couloir, là, par là, ouais, qu'il y avait une personne, je crois que c'est une femme, avec une tunique blanche. Tu veux que j'aille essayer avec ma box là-bas? Non. On va avoir peur. Peut-être qu'elle essaye de venir. Allez-y, madame, approchez-vous, venez discuter avec moi. Venez prendre place ici dans le fauteuil. On puisse discuter ensemble. N'ayez pas peur, il y a une autre femme dans la pièce, c'est Sandrine. Moi, c'est Pierre. Venez discuter avec nous, n'ayez pas peur. Nous sommes là pour ça. Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir taper un petit brin de causette avec vous. Allez-y, venez. N'ayez pas peur du bruit de la machine. Je vais chercher mes écouteurs peut-être. Et puis mettre le PE. Ouais. Pour que ça soit moins bruyant. Moins bruyant ? Non ? Ouais, je sais pas. Ouais, si tu veux. T'as une odeur. Un petit peu. Ouais. T'as une odeur. Hein? T'as une odeur désagréable. C'était vous cette odeur? Pour que nous vous remarquions, était-ce vous? Si oui, pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. C'est
ça dans la nuit. Ça sent la soupe. C'est de la soupe que vous êtes en train de faire ? Quoi ce bruit là? Ça tape, ça tape. C'est bizarre, c'est tout ce bruit en fait. J'ai demandé à le faire une fois, elle a fait une fois, j'ai demandé à le faire deux fois, ça l'a fait deux fois. Je ne vous ai pas répondu, pour qui faites-vous à manger? Pour les patients, ça met combien ? Ça tape encore là. Il y a des personnes qui vous embêtent ici, madame, non ? Il y a quelqu'un ? Même l'entendu.
Mais si ça venait de l'extérieur là-bas, par là. Ouais, bah dans le couloir. Ouais, par là. Ça fait. Ouais, enfin, je sais pas, un truc comme ça. C'est clair dans le fond là-bas. Ah, je sais, mais il y a une femme déjà là-bas. Elle est là-bas. Je l'ai vu tout au début. Après, je sais pas s'il y a encore là, mais il y avait une personne qui était là-bas et en tenue blanche. De Pierre-Marie qu'on vient de voir derrière, mais Laurent, quand tu visionneras, tu regarderas ici. Allez, essayez de parler avec nous. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un là depuis tout à l'heure. T'es où Laurent? Il est où Lolo? Ah. Pierre-Marie, il est où? T'as le filon, frère? Non, rien. Ouais. Bon. Oh. Comment ça se fait? J'ai plus rien. L'infrarouge, j'ai coupé, là? T'as coupé, quoi? Non. À chaque fois que je viens près de moi, frère. À chaque fois que je t'approche de moi, t'as fait peine, toi.